pour la formation de toute la jeunesse en Guyane, dans la médecine, dans la justice, dans l'art, dans l'environnement, dans les langues, dans la musique, dans le patrimoine des cultures, pour une université de plein exercice. Pour le collège, se reconduit jusqu'à la prochaine assemblée générale, jeudi 7 novembre à 16h. Qui est pour? Ok. Ok, merci à vous. Est-ce qu'il y a des personnes. 7 novembre. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre la reconduction de la grève jusqu'à la prochaine assemblée générale? Ne décidez pas. 2, 3, 4, 5. Okay. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent sur cette question, qui ne savent pas si on peut faire grève ou qu'on va faire grève? D'accord. La grève est donc bloquée jusqu'à la prochaine AG. Ça finit, ouais, ça finit. Divan, enfant divan prend nous. Depuis des jours, nous avons assisté à une opération de communication. Il y a dit la population qui est tout d'accord. Qui est monde qui n'est pas d'accord pour l'université? Mais il n'est pas d'accord pour mettre tout de suite. Alors, nous avons besoin de Zot. Un Zot qui est joué le juge de paix. L'université, c'est pour les enfants de ce pays-là. Nous n'allons pas laisser sacrifier des têtes pensantes. Nous n'allons pas laisser sacrifier la jeunesse de ce pays. Mais pour cela, nous avons besoin de vous. Après nous dérouler l'université digne de ce nom, pour suivre les informations à soi, Samokawe, la Guadeloupe qui a demandé, la Martinique qui a demandé, alors nous aussi nous devons demander, les jeunes étudiants, dis-moi à ceux qui prennent la relève de la Guyane, à ceux qui mettez-nous plus haut. La vie est maman.